Les Dragons doivent absolument s'imposer s'ils veulent encore rêver à un match de play-off à domicile. Pour cela, il va falloir vaincre une équipe qui ne leur réussit pas. Bon travail défensif. Ouais, la défense qui avait bien suivi malgré ses passes très rapides. Effectivement, très bonne organisation. Allez, il faut continuer à tenir. Quatrième tenue, Louis. Ah, la pénalité. Oh, elle fait mal cette pénalité. La pénalité qui fait mal. Léon Flores qui se met à la faute. Et on joue rapidement côté Warrington. Ben Harrison, le troisième ligne. Mulligan, attention à lui. Ouais, j'étais quasiment sûr qu'il allait essayer d'y aller tout seul. Et il y va, oh là, c'est pas possible. Essai de Michael Mulligan. Oh, il s'est défait tout seul de la défense. Qu'ils n'ont pas réussi à le maîtriser. 1, 2, 3. Voilà, il échappe, il s'extrait de ce plaquage. Toute l'équipe va travailler pour recoller au score. Allez, les Dragons, justement, ils vont travailler cette défense de Warrington. Nous atteignons quasiment le quart d'heure de jeu. Ils sont dans les 20 mètres. Attention à cette action dans le côté fermé avec Whitehead qui a pu trouver. Oh, l'essai en bout de ligne pour Michael Oldfield. Ce n'est pas lui qu'on recherchait sur cette passe, mais c'est lui qui marque. Il est tout seul dans son couloir, donc reste maintenant à Thomas Bosc à concrétiser par un coup de pied très difficile, puisque collé au ras de la touche et avec le dos tourné, ne suivez pas avec assez d'attention le déroulement du match. Oh, Myler découpé par Michael Simon. Attention, il continue à progresser. Attention à Ormsby. Ah, l'essai qui fait mal. Ah oui. L'essai de Jake Ormsby en bout de ligne. Ils vont avoir la mi-temps pour méditer sur cette affaire. Mais une erreur quand même, une pénalité au départ. C'est jeté sur cette balle. Attention, il faut se replacer. Monaghan qui démarre. Joel Monaghan. Il n'y a pas d'espace pour lui, heureusement. Pas d'espace pour le meilleur marqueur d'essai de la Super League. Et Joel Monaghan. Ah, il y a eu un mouvement du bras ici. Et là, a priori, face au poteau, plus facile, mais réussi aussi. Donc, 14 d'Angleterre à Wembley, puisqu'ils vont rencontrer la semaine prochaine. Ah, ouais, ballon tombé par Simon Griggs. Allez, il faut avancer, il faut se battre. C'est ce que fait Ben Pomeroy, qui peut libérer. Un peu de mouvement, le petit coup de pied par-dessus. Oh, c'est bien joué! Oh, c'est bien joué, peut-être l'essai pour le Dragon. Oh, le renvoi est déjà. Son équipe marquée suite à ce petit coup de pied par-dessus de Thomas Bosc. Qui court, qui galope Thomas Bosc. Anderson derrière le tenu pour Leon Price. Leon Price qui feinte la passe une fois, deux fois et qui écarte le jeu vers l'extérieur. Le petit coup de pied à suivre. Taylor Whitehead, c'est fait. Il a pu aplatir l'anglais. Ah oui, il a pu aplatir Taylor Whitehead. Lui, on va faire appel à la vidéo. Il suit son propre coup de pied et il est le premier dans la but. À la décision. Eh bien non. Le capitaine qui montre l'exemple et pénètre dans les 10 mètres de Warrington. Éloi Pélissier face à 4 défenseurs. Allez, Éloi. Ah, il est bien pris, Éloi Pélissier. Les Dragons qui sont à 2 mètres de la ligne maintenant. Avec Moulis qui va y aller tout seul, le capitaine qui peut aplatir. C'est aplati. Bravo. Et c'est bien aplati, c'est validé. L'arbitre a été très gentil parce que sur le tenu d'avant, Éloi Pélissier joue très mal sur l'arrière, mais il y avait beaucoup. Tony Smith a compliqué la communication sur son équipe jusqu'au dernier moment, en particulier sur Rochefort. Allez, cinquième et dernier tenu, attention dans les airs, attention à Monaghan. Oh là là, heureusement, il y a un en avant commis. Le ballon, il est vers l'avant. Il y a un en avant de toute façon. Pour moi, il y a un avant de Monaghan, c'est flagrant. Le joueur ne le contrôle pas, l'autre le soutient. Voilà. Et pour moi, le ballon, il est dévié vers l'avant par Monaghan, contré par Daryl Millard, vers l'avant également. Si vous êtes en train de consulter Thierry Alibert. Alors, il va expliquer sa décision. Et Simon, il faut continuer. Il faut tenir. Et voilà qui est fait, Paul Wood, renversé par trois défenseurs des Dragons qui font fi des décisions arbitrales et qui pour l'instant répondent présent. Attention, c'est le cinquième et dernier tenu. C'est maintenant qu'il faut montrer qu'ils sont forts. Le petit coup de pied. Non, oh là sur là. Le poteau. Et là, Evans, il a pu aplatir. Il ne contrôle Regardez, pas cette balle. La main touche le sol au moment où le ballon est aplati. Et en effet, il y a Escarré qui pousse ce ballon derrière. Mais pour moi, il commet un en avant dans l'en-but, notre ami Rhys Evans, tout simplement, puisqu'il touche le ballon. Oui. Il ne le contrôle pas.
avec son deuxième. Non. Et là, si, là, je crois qu'il aplatit. Ah, je pense qu'ils vont valider cette erreur. Qui va intervenir maintenant? Michael Simon. Henderson qui joue dans le côté fermé avec Lewis Anderson qui croise avec Zeb Taya. Joel Monaghan au plaquage. Henderson derrière le tenu avec Baïtieri. Baïtieri pour Price. La bonne passe de Leon Price. Qu'est-ce qu'il fait? Thomas Boss qui s'est rescarré. Il a laissé au bout peut-être avec Ben Pomeroy. Oh oui! Elle le prouve sur cet essai. Malheureusement, cet essai est au bord de la ligne de touche, ce qui va compliquer la transformation de Thomas Boss. Mais aujourd'hui, les buteurs sont dans une très très grande forme. Ils nous l'ont démontré à chaque Dragon Catalan pour ses vacances d'été. Nous avons José de Montsolimine qui est rentré de ses esprits pour assister directement au match. Et puis il y a les féminines de Marseille 13 qui profitent de leurs vacances pour venir assister à Majaga. Donc il y a beaucoup de monde et surtout des spectateurs. Oh, attention Louis! Oh là là, il fait mal cet essai! Non, il a essayé. Oh là là! Oh, il fait mal! Oh, c'est terrible! Des contrées qui revient et qui traîne par là. Rashford, la passe pour Monaghan. Ah, c'est. Le tour de Warrington. Et ils vont tenter de marquer cet essai qui les ramènerait à deux points, une nouvelle fois à deux points de Warrington. La libération de Leon Price. Allez, ça avance avec Julien Bousquet qui vient défier la défense de Warrington. Il pénètre dans les 10 mètres des Wolves. Henderson, allez, il faut jouer plus rapidement que cela avec Greg Moniz. Greg Moniz pour Thomas Boss. Il y est, voilà l'essai. Et le triplé. Ah, il y est l'essai. Ah, il y est l'essai. Oh, on fait appel à l'arrière. Pourquoi pas s'offrira il y un est. Final ah, de foudra, mais nous, bien. Il fait toujours ce qu'il peut. Fait. Et ben, c'est normal. Et c'est normal. Mais nous, légalement, cet essai, il n'y a aucune raison. La construction de cet essai, d'abord en obligeant Rashford à concéder le renvoi. Calé sur la ligne de touche, c'est magnifique. C'est magnifique et en plus, ça rassure à la fois. Cinquième et dernier tenu. Allez, Eloi Pélissier qui va... Oh, bien vu. À Thomas Boss, Monaghan et Monaghan, il est vigilant, Michael Monaghan. Ah, il pistait le jeu au pied de. Oh là, oh, la pénalité qui fait mal. Que s'est-il passé? Oh là là. Il vient traîner sur le tenu, mais. Non, non, il vient traîner, mais. Il pouvait en siffler 15 dans cette rencontre. Dès il pouvait traîner. Et puis le joueur de Warrington a joué la ficelle et ça a marché.